Na het succes van ons eerste debat met de vroedvrouwen, zullen we vandaag het woord geven aan de apothekers. La profession recommande d'organiser et de rendre visible cet espace de confidentialité où le pharmacien peut rencontrer le patient. Je maakt een aparte afspraak en dan heb je de tijd om eens met de patiënt te gaan bekijken welke geneesmiddelen neemt hij nog. Heeft hij goed begrepen hoe hij bijvoorbeeld zijn buffer moet nemen? Dan kan je ook heel even gaan uitleggen van ja, hoe gebruik je best die buffer en bovendien toon het jezelf enzovoort. Dat neemt min of meer een twintigtal minuutjes in beslag. Qui se sont actuellement prestataires de soins? Qui se sont vendeurs de boîtes? De huisapotheker is die apotheker die een patiënt kiest om zijn farmaceutisch dossier op te volgen en om zich te laten begeleiden in zijn geneesmiddelengebruik om dat zo optimaal mogelijk te kunnen doen in de praktijk. Et donc le pharmacien de référence est un point, j'y crois à 100%, mais en parallèle il y a le dossier dans lequel il faut donc aussi le partenariat du médecin. La multidisciplinarité est un élément essentiel. Mais ce qui est également essentiel, c'est cette position du pharmacien où, face à un patient, dans l'officine, dans l'espace de confidentialité ou au comptoir, le pharmacien a une vue de synthèse et pas seul avec le patient. Donc il peut en discuter. Et cet échange est une garantie de correction des éventuelles erreurs en cours, mais également une garantie d'une bonne application des traitements. Le cadre pluriannuel a été conclu avec la ministre de Bloch dans un contexte de reconnaître certaines actions que le pharmacien exerçait déjà aujourd'hui, hein, ce qui est un élément important au niveau de la prévention, de l'orientation des patients, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de gens viennent exposer des plaintes de santé au niveau officinal et qu'on peut les référer. Ça relève d'une bonne collaboration entre le médecin et le pharmacien. En wie weet, wellicht tot een volgende keer. Dank u wel.